Bonsoir chers internautes, une fois de plus, je suis très ravie d'être en votre compagnie cet après-midi. Nous sommes toujours à Yopougon, comme on y était hier. Et le sujet de ce jour est très simple pour aujourd'hui. Pour ou contre la masturbation, voilà. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commenter, liker, partager aussi la vidéo, donner des propositions de sujets aussi en commentaire. Il faudrait que vous commentez pour qu'on sache si vous avez aimé le sujet ou pas. Sur ce, on se dit à tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. D'accord. Pour ou contre la masturbation? Contre. Tu es contre. Pourquoi tu es contre? Mais masturbation pourquoi? Femme. Hein? Femme. Bon, pour... Tu es pour? Oui. Pourquoi tu es pour? Bon, souvent aussi là, tiens. Le gars n'est pas là. Ah, il n'est pas là, donc tu as besoin de masturber. Tiens. Fais passer un peu l'envie. Sincèrement. Bien. Ah ouais. Non, moi, c'est ma conception. Et pourtant. Non. Ah, mais c'est ça. C'est que tu as dit à Isaac, c'est ça. Souvent. Ils sont pas là, donc on a besoin de. Tiens. Masturber. Réveiller le moment. Non. Mais sinon, beaucoup d'hommes dans les rues, tu peux aller voir bien. Dans les pointeurs. Oui, ma chérie, il y a sida, maintenant il y a trop de sida, c'est vraiment, il peut pas. Mes doigts sont là, ça sert à quoi? Point d'interrogation. Non, si le jazz n'est pas là, là, c'est mieux que tes doigts vont faire. Je vais faire mon barzo. Et puis ça passe. Ça tu joues et puis ça passe, oh, c'est ça fini. Ça passe, mais au calme. Ah non, toi tu connais à faire là. Bonjour les filles. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. D'accord, vous êtes pour ou contre la masturbation? Bon, moi je suis contre la masturbation. Et vous? Ça dépend. D'accord, pourquoi vous êtes contre? Parce que c'est pas normal qu'une femme puisse se masturber, sachant qu'il y a plein d'hommes qui sont là, donc c'est pas normal. D'accord, et vous, madame? Moi, je dis qu'il y a des gens qui ont beaucoup de fantasmes. Il y a des femmes qui prennent leur plaisir en se touchant elles-mêmes. Vraiment. C'est pas forcément avoir des rapports. Donc, je pense que se masturber là, c'est pas un truc de mauvais, même s'il y a garçon, mais aujourd'hui, les gens ont beaucoup de plaisir. D'autres, il y a des filles qui vont mettre un truc, un film X. Elles vont se toucher, puis par là, elles sont satisfaites. Donc, pour moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais je trouve que ce n'est pas mauvais en soi. Tu penses que souvent, il faut faire? Oui, si ton fantasme se demande ça, oui, tu peux le faire. Que ce n'est pas une fille en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà, voilà. Et toi, tu trouves que c'est une abomination? Non, abomination. Hein? Une abomination. Une abomination. Ce n'est pas normal, en fait, ce n'est même pas logique. Donc, hein. Mais si toi, ton mari est en absence, comment tu fais? Tu as envie? Je l'attends. Mais si on fait au moins 5 mois. Je l'attends. L'envie va passer. Ça vient, ça démange. Et puis après, ça passe. Tu as pour quoi pour faire passer ton envie là? Tu laves l'eau chaude, mais ça passe. Même matelas comme ça, va passer. Chégué! Elle a dit une bonne chose. Voilà, tu disais que le matelaton fait partie l'envie. Oui, ça fait partie l'envie. Le matelaton avec de l'eau tiède. Ça fait partie l'envie. Tu prends le matelaton, tu frottes, si ta bâtie est estimée, puis bon, ça glace quelques minutes, ça passe. Tu n'es pas obligé de te doigter. Tu n'es pas obligé de te doigter. D'autres mènent le bois, coucou, le tout, non. Toi, tu bois même dans tout là. Ça ne blesse pas. Ah, vraiment. Il y a des vidéos, on voit sur le net, les filles sont en train de se masturber. Elles mettent des trucs, même tu vois, mais pas vraiment catholique. Ah, Jean-Pin en jouer là. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Excusez-moi pour le mot, hein. Même petit matelaton, de l'eau tiède, ça passe, te couche au calme. Tu peux rester là même 6 mois. Hein, là. Ça passe. Donc toi, tu es contre le fait que tu fasses le fait de masturbe. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. D'accord, fais-moi un petit sourire devant la caméra, s'il te plaît. Merci. Pour ou contre la masturbation? Contre la masturbation. Pourquoi tu es contre? Parce que la masturbation n'est pas une bonne chose. Pourquoi se masturber? Point d'interrogation. Masturbation des femmes, précisément. Masturbation de femme, non, on n'apprécie pas. On n'apprécie pas. Tu sais, c'est quoi au moins, non? C'est quoi? C'est se caresser, se toucher. Boiter. Ouais, etc. Mais c'est pas. Contre. Tu es contre. Mais pourquoi tu es contre? Si monsieur n'est pas là, tu fais quoi? Monsieur n'est pas là, je l'attends. Monsieur n'est pas là, tu l'attends. Je l'attends, c'est mieux. Oui. Et si tu as des envies, mais folles envies, tu fais quoi? Tu vas boire Heineken? Oui, je vais boire Heineken, je vais dormir. Où est-ce que tu vas boire quoi? Despé ou bien c'est pas là? Heineken au Vodi, je vais me saouler en même temps, je dors. Tu es saoulé, puis tu dors, tu penses plus à ça? C'est ça. Mais tu n'as pas fait ça? Tu n'as jamais essayé ça? Hein? Non, je n'ai jamais essayé. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien chez vous. Je vais très bien. Pour ou contre la masturbation, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Pas une bonne chose? Oui. Pourquoi c'est pas une bonne chose? Bon, vas-y. Ce genre de truc-là, bon, vraiment. Je sais pas comment on dit, mais. Vraiment, je trouve pas ça bon, sincèrement. La masturbation des femmes, est-ce que c'est bon? Mais c'est pas bon. Non, je pense pas. D'accord, pour la femme,
lorsque son homme n'est pas là, elle est absent et puis elle a des envies, comment elle fait pour combler si elle ne se matrise pas? Bon, je ne sais pas trop. Bon, chacun a sa manière de manger. Si c'est toi-même, tu as fait quoi? Bon, sincèrement, il y a lutté. Professeur! Je ne pas que ça se passe. Il y a lutté en faisant quoi? Genre en prenant les bières ou bien je sais pas. Bon, sincèrement, je ne sais pas trop. Mais toi, tu fais quoi d'habitude quand tu as envie puis monsieur n'est pas là? Ça passe. Donc, tu mets ta tête sur autre chose, ça passe. Ça passe. Bon, en fait, si ton esprit refuse, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu fais, si ton esprit refuse, vraiment, ça ne peut pas s'attacher à toi, vraiment. Donc, c'est psychologique, en fait. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, pour ou contre la masturbation? Hein? Pour ou contre la masturbation? Contre. Vous êtes contre la masturbation des femmes, précisément? Contre. Pourquoi tu es contre? Je ne sais pas. Je te dis que c'est bizarre. Il y a des les hommes qui font la poussane. Point d'interrogation. Si ton homme est en voyage, tu fais quoi? Tu as envie. Quoi? Ah, oui, c'est pas des. Bon, on prend un exemple. Toi, si tu es ton homme, il a voyagé, tu as des envies sexuelles, tu fais quoi pour passer ses envies? Non, y'a m'abstenir. C'est ce qui est. Ouais. Non, tu vas pas pratiquer la masturbation. Le fait de se doigter, tout ça. Mais ça peut rien me faire même. Alors là, c'est gâté. Ça peut rien te faire. Oui. Mais moi, essayer pour voir si ça peut rien te faire. Non, ça me met encore plus. Ça me donne plus envie. Donc, du coup, j'aime mieux la donne. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, pour ou contre la masturbation? Quoi? Pour ou contre la masturbation? Est-ce quoi? Masturbation, hein? Genre, les filles, pour les filles, hein, les filles qui se doivent souvent quand elles ont des envies sexuelles, tu es pour bien, tu es contre ça. Je suis contre ça. Tu es contre ça. Pourquoi tu es contre ça? C'est pas bien, pourquoi entre nous les femmes on se doit, non? Pourquoi? Point d'interrogation. Il y a beaucoup de garçons pour ça. Mais si ton homme là, il a voyagé, il n'est pas là, et puis toi tu as envie, tu fais comment? Non, même s'il a voyagé, il préfère l'attendre, c'est mieux. Tu n'as pas d'imaginer. Jamais. Pourquoi? Tiens. Alors. C'est ton gars, lui, il va aller voir. Mais ailleurs, tu n'es pas là. Même toi, tu n'as pas. Non, il attend à ce qu'ils viennent. Si. Même si tu as envie. Mais tu as fait comment faire passer ton envie, là, en fait? Ah, mais ça va passer. Le temps, ça va passer. Il peut pas. Tu peux pas te masturber. Non, je peux pas me masturber. D'autres aiment tes doigts, tu peux pas faire ça. Non, je peux pas. Tu n'as jamais essayé. Jamais. Tu n'as pas de copines qui ont déjà fait ça? Bon, je sais. Bon, je... non, il n'y a pas de copines. C'est intime. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Aïe, tu ris déjà. Pour ou contre la masturbation? Contre. Le contre. Masturbation des femmes, précisément. Contre. Le contre. Oui. C'est pourquoi la masturbation des femmes, non? Oui. C'est quoi? Bon, c'est doigté. Voilà, oui, oui. D'accord. Maintenant, pourquoi tu es contre? Parce que c'est pas une bonne chose, en fait. C'est pas une bonne chose. Ah bon? Et lorsque monsieur n'est pas là? Bon, tu n'as jamais masturbé? Non, non, jamais. Si ton homme n'est pas là, tu vas l'attendre, mais tu vas te masturber. Je vais l'attendre, je vais l'attendre. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de pointeurs, tu peux aller les voir. Non, la femme là, la femme a une dignité. Hein. Bonjour madame. Bonjour. Pour ou contre la masturbation? Pardon? La masturbation. Pour ou contre? Contre. Pourquoi vous êtes contre? Parce que je ne trouve pas ça nécessaire. Je vois que... Bon, comment dirais-je? La masturbation n'est pas une bonne chose. Surtout la masturbation de la femme, est-ce que c'est une bonne chose? Non, moi je ne trouve pas ça nécessaire. Non, c'est pas une bonne chose. Mais si monsieur est absent et puis il y a certaines femmes qui ont des envies, vraiment, elles n'arrivent pas à s'en passer. Comment elles vont faire pour passer cette envie-là? Bon, là, moi, je ne sais pas. Sinon, pour une femme... Monsieur absent, il est présent, c'est pareil. Du moment que vous arrivez à échanger, faire beaucoup de choses, donc je ne vois pas l'utilité de ce match. Mais vous connaissez l'envie, non? Souvent ça arrive quand souvent l'un des partenaires n'est pas là. Oui, je... Comment l'absent doit faire? Si c'est les hommes, on sait déjà, mais la femme là, comment elle va faire pour? C'est vous, comment vous allez faire pour? Moi, je me sors ça de la tête. Je change d'idée, au fait. J'ai pas besoin de me masturber pour faire passer mon envie. Parce que je me masturbe pas, c'est pareil. Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va, et toi? Je vais très bien. Pour ou contre la masturbation? La masturbation, pour ou contre? Je suis pas contre.
pour ou contre? Contre. Contre. Oui. Contre. Tu es contre la masturbation. Ok, la masturbation des femmes, tu es contre. Quand on parle de masturbation des femmes, c'est de quoi je vais parler? Genre, souvent quand l'homme n'est pas là, tu te dois te poser. Est-ce que tu es contre ou bien tu es pour? Je suis contre. Tu es contre. Pourquoi tu es contre? Même pas, c'est pas bien. Pas bien. D'accord. Et lorsque monsieur n'est pas là? Ah, il est patient. Patient. Au terme de notre émission, merci de nous avoir suivis. Et sur ce, nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro du micro-trottoir. C'est le week-end, profitez-en pour vous reposer, vous sortir un peu, vous divertir avec votre famille. Et je vous dis à bientôt. Bye.